Thank you.
Bonsoir. Bienvenue à cette 30e commémoration du féminicide survenu le 6 décembre 1989 à la Polytechnique de Montréal. Ah, on va recommencer. Alors, bonsoir tout le monde. Comme je disais, bienvenue à cette 30e commémoration du féminicide survenu le 6 décembre 1989 à la Polytechnique de Montréal. Merci d'être ici en si grand nombre ce soir. Je m'appelle Karine Vanasse et je vous accompagnerai tout au long de cette cérémonie. Tout d'abord, Son Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, s'adressera à vous. Par la suite, Mme Catherine Bergeron, présidente du Comité Mémoire, vous souhaitera la bienvenue. Nous rendrons ensuite hommage aux 14 victimes de Polytechnique par l'illumination des faisceaux dans le ciel de Montréal. Nous serons également en direct avec des universités québécoises et canadiennes qui commémorent la tragédie de Polytechnique avec nous. Après un moment de recueillement, vous entendrez les voix d'un cœur qui se trouve derrière moi. Et en terminant, des fleurs seront déposées au pied de la mosaïque en hommage aux 14 victimes. Le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, j'inviterai maintenant Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, à vous dire quelques mots. I would like to now invite Her Excellency, the Right Honorable Julie Payette, Governor General of Canada, to say a few words. Bonsoir. Je suis ingénieure. Je suis une femme ingénieure. Et le 6 décembre 1989, j'étudiais le génie. Comme mes collègues Anne Saint-Arnaud, Annie Turcotte, Anne-Marie Lemay, Anne-Marie Edward, Barbara Daigneau, Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Maryse Laganière, Maryse Leclerc, Maud Aviernik, Michel Richard, Nathalie. Sonia Pelletier qui étudiait le génie, Nathalie Croteau, et Barbara Klouchnik-Vidayevich qui étudiait les soins infirmiers. J'étais à l'université comme elle, par choix, simplement. J'étais là pour, non pas changer les statistiques ou défier les normes, pas par idéologie ni par militantisme, pourtant je suis féministe. J'étais là parce que j'aimais la profession et que je voulais en faire une carrière. Because I am an engineer through and through. I chose to become an engineer. Like so many of my colleagues who studied today engineering. Like those of my colleagues that were wounded. Like my sisters who died at Polytechnique 30 years ago. Leur vie, si horriblement écourtée, et la vie des 14 autres blessés méritent, exigent que nous discutions franchement du contexte plus large dans lequel cette tragédie s'inscrit. Un meurtrier seul, armé d'un fusil d'assaut. Mais derrière ces actes se profile un tissu de préjugés, de sexisme qui enveloppe encore aujourd'hui notre culture. Et ces préjugés sont difficiles à changer. Nous devons de le faire, tous ensemble, hommes et femmes. À la violence verbale et écrite que nous voyons si souvent dans les médias, dans les réseaux sociaux, que l'on entend, on se doit de dire non, non. To the belittling, the dehumanizing, the name-calling that we observe so often
especially to any woman who raises her head above the crowd. We have to speak up and say no. Au respect des femmes, partout, autour de nous, dans nos familles, dans la société et au travail. Nous devons l'exiger. Et à la violence familiale, nous devons nous opposer pour que ces magnifiques jeunes femmes ne soient pas mortes en vain et que jamais cela ne se reproduise, plus jamais. Chers membres des familles, distingués invités, mesdames et messieurs, nous font l'honneur de leur présence Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, Her Excellency the Right Honorable Julie Payette, Governor General of Canada, le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et Madame Sophie Grégoire, Right Honorable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, and Ms. Sophie Grégoire, l'honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, et Madame Pauline Théberge, the Honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur of Quebec, and Ms. Pauline Théberge, Monsieur François Legault, Premier ministre du Québec, et Madame Isabelle Bray, Monsieur François Legault, Premier of Quebec, and Ms. Isabelle Bray, Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, et son fils Émile, Ms. Valérie Plante, Mayor of Montreal, and her son Émile, Monsieur Philippe Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal, Mr. Philippe Tanguy, President Polytechnique Montréal, Madame Catherine Bergeron, présidente du comité mémoire, Ms. Catherine Bergeron, President of the Committee Mémoire. Bonsoir et bienvenue à tous à cette soirée commémorative du féminicide de Polytechnique. Je m'appelle Karine Vanasse et je suis particulièrement touchée d'être ici ce soir pour souligner la mémoire de 14 jeunes femmes victimes du féminicide survenu le 6 décembre 1989 à 17h10. Par un soir gris et enneigé, comme ce soir, 14 femmes sont mortes, tout simplement parce qu'elles étaient des femmes et qu'elles souhaitaient réaliser leurs rêves dans notre société. 14 vies envolées en seulement 19 minutes. 14 autres personnes ont également été blessées, en plus de bouleverser de nombreux témoins et d'ébranler toute une société. 30 ans plus tard, nous nous recueillons pour elles, afin de ne jamais oublier. 30 years later, we are together here, so they will never be forgotten. J'inviterai maintenant Madame Catherine Bergeron, présidente du comité mémoire et sœur d'une des victimes, à venir vous adresser la parole. I would like to invite Ms. Catherine Bergeron, president of the committee mémoire and sister of one of the victims, to say a few words. Chers membres des familles, blessés, survivants, survivantes, distingués invités, vous tous, amis, citoyennes, citoyens, bonsoir. Ce soir, devant vous, avec vous, j'ai l'âme à la tendresse. Le 6 décembre 1989, nous avons vécu une très grande peine d'amour, la perte de 14 femmes extraordinaires. Il y a 30 ans, elles se sont levées au petit matin, confiantes en l'avenir, pas seulement le leur, mais aussi le nôtre. 30 years ago, these women's respective lives and destinies were shattered, which has left us with the obligation to reflect on this loss. It's been 30 years already. And it's still important to remember. La mémoire permet de refaire le chemin en sens inverse et de revenir au présent avec quelque chose de plus apaisé au cœur. Tonight, I'm reminded that uniting the spirit of solidarity and tenderness, we all turned a tragedy into a triumph of the human spirit. Je me souviens que les histoires de vie des 14 femmes ont façonné notre histoire. Nous ne sommes pas elles, mais nous sommes assurément faits d'elles.
Je me souviens que nous n'accepterons plus jamais que des femmes meurent parce qu'elles sont des femmes. Society cannot just undo the outrage of unjust death, but we can transcend the pain and create a world that reflects our aspirations while it brings us together. Les 14 faisceaux qui s'allumeront nous disent où nous sommes et surtout où nous en sommes. These 14 beams of light let us know where we are, and above all, they help guide us to where we want to be. En cette 30e commémoration, nous devons nous promettre d'être les gardiennes et les gardiens vigilants de la place des femmes dans la société. We need to ensure that men and women, who are equally important part of our world, are open and aware allies and possess committed tolerance for all. À ces 14 femmes qui ont été, à toutes celles et ceux qui seront, aux familles endeuillées, aux survivantes, aux survivants, aux étudiantes et aux étudiants qui étaient présents en 1989, aux intervenantes et aux intervenants qui les ont aidés, à nous, je souhaite toute la paix possible. I wish us a deep, serene peace. Les lumières qui s'élèveront une à une vous sont dédiées, mesdames. The lights that shine over Canada today are lit for you and in your names and memory. Du fond du cœur, permettez-nous de vous aimer toujours. Ces 14 femmes étaient dans la jeune vingtaine. Elles étaient brillantes. Elles avaient l'avenir devant elles. Plusieurs d'entre vous ici ce soir n'auront pas eu la chance de les connaître ni de les rencontrer. J'inviterai donc Blanche Majot-Bélan et Sébastien Chagnon, tous deux étudiants en Polytechnique, à venir prononcer le nom des 14 femmes dont la vie a été abruptement interrompue. These 14 women were in their early 20s. They were brilliant and had a deep desire to live their lives fully. Many of you here tonight weren't able to meet them or get to know them. On behalf of Polytechnique student community, I'd like to invite two current Polytechnique students, Blanche Majot-Bélan et Sébastien Chagnon, to read aloud the names of the 14 women who were killed. Geneviève Bergeron. Hélène Colgan. Nathalie Croteau. Barbara Daigneau. Anne-Marie Edward. Maude Aviernik. Barbara Maria Klucznik-Vitayevich. Maryse Lagagnère. Maryse Leclerc. Anne-Marie Lemay. Sonia Pelletier. Michel Richard. Annie Saint-Arnaud. Annie Turcotte.
Ce soir, nous sommes ici rassemblés pour elle, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a des milliers de personnes à Montréal, au Québec et au Canada qui sont avec nous. Tonight, we're together on Mount Royal for these 14 women, but we're far from alone. There are thousands of people in Montreal, across Quebec and Canada, who are united with us. En ce moment même, en plus de Polytechnique, 14 universités québécoises et canadiennes commémorent le féminicide du 6 décembre 1989. Je vous invite à regarder les images en direct des différentes cérémonies qui se déroulent à travers le Canada. Here at Polytechnique and at 14 other Quebec and Canadian universities, we are commemorating the December 6, 1989 tragedy. Live broadcasts from those 14 different locations are happening right now in various Canadian cities. L'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. University of British Columbia in Vancouver. Tonight we gather here for them, but we're not alone. There are thousands of people in Montreal, in Quebec, and in Canada who are with us. Tonight we're together on Mount Royal for these 14 women, but we're far from alone. There are thousands of people in Montreal, across Quebec. Le Collège Militaire Royal du Canada à Kingston. Royal Military College of Canada in Kingston. L'Université Laval à Québec, Université Laval in Quebec City. L'Université Dalhousie à Halifax, Dalhousie University in Halifax. Merci à tous, universitaires et gens du pays, pour votre solidarité. Thank you to each and every university and to all Canadians for your solidarity today. En mémoire des 14 victimes, nous allons maintenant observer un moment de silence.
Vous venez d'entendre le chœur éphémère Phoenix, composé des membres de l'ensemble vocal Carpe Diem, du chœur en fugue de Châteauguay et du chœur du cégep de Saint-Jérôme, sous la direction du chef Frédéric Vaugel. Merci. Ah, ça fait du bien, ça. J'inviterai maintenant la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, ainsi que ses invités à venir déposer des roses blanches au pied de la mosaïque. Please join me in welcoming the mayor of Montreal, Ms. Valérie Plante, as well as her guests, as they lay white roses at the base of the mosaic. Nous approcherons maintenant à la fin de cette cérémonie. J'aimerais que l'on promette à ces 14 femmes que dorénavant, collectivement et individuellement, nous ferons de notre mieux pour nommer les violences avec les mots qui les définissent réellement. I want us to promise these 14 women that we will be brave and use the right words when it comes to describing acts of violence against women. Car oui, nous avons le devoir de nous souvenir, mais nous avons aussi le devoir de reconnaître et de nommer. Pour ma part, c'est parce que j'avais peur du mot féministe que j'ai voulu mettre l'avant le film Polytechnique
il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, ce mot, je le trouve beau, fort, rassembleur, important et nécessaire. Oui, pour les femmes, mais aussi pour les hommes et pour les enfants. Je veux ce soir profiter de cette occasion pour mettre en lumière le travail de ceux et celles qui se battent et se mobilisent pour rappeler le droit qu'ont les femmes et tous les êtres humains d'exister pleinement et de se sentir en sécurité. Alors pour vous, éternelles jeunes femmes, pour sceller cet engagement que nous faisons collectivement, de ne jamais vous oublier, I invite you all to raise your arms to the sky. Levons symboliquement les mains vers le ciel pour nous unir au faisceau en guise de solidarité, d'espoir en un monde sans violence, d'unification et de puissance visible du souvenir. À vous tous, merci, 30 ans plus tard, d'être ici pour elle. Merci à tous. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Nous allons maintenant procéder aux déclarations de la mairesse de Montréal, du Premier ministre du Québec et du Premier ministre du Canada. Good evening, ladies and gentlemen. We will now proceed to the statements of the Mayor of Montreal, the Premier of Quebec, and the Prime Minister of Canada. Bonsoir à toutes et à tous. Mes premières pensées sont tout d'abord aux familles des victimes, aux amis qui les ont connues, aux survivantes et aux survivants. Et je tiens à vous saluer, vous tous et toutes, ici ce soir. C'est incroyablement réconfortant et c'est bon de voir autant de mes concitoyens et concitoyennes qui sont réunis. Et je parle des Montréalais et Montréalaises, mais bien sûr, on a des gens qui nous viennent, plusieurs de nos collègues de la Chambre des communes et de la colline parlementaire. Merci d'être là. Mais de vous voir ici ce soir réunis pour honorer la mémoire de celles qui ont été froidement abattues parce qu'elles étaient des femmes. Et je pense que pour celles et ceux qui nous regardent en ce moment, de vous voir, de nous voir comme ça tous et toutes réunis, mais ça montre la solidarité, mais cette volonté ferme de se souvenir, oui, mais la volonté d'agir. Et on a tous une responsabilité dans les petits gestes quotidiens pour combattre le sexisme qui, justement, fait trop partie du quotidien. Et ensuite, il y a les gestes qu'on peut poser de façon plus forte ou du moins plus globale. Et je pense, bien sûr, vous avez ici même le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec, la mairesse de Montréal, et comment nous pouvons agir également pour faire en sorte d'avoir toujours une société plus juste, plus équitable et plus sécuritaire. Et si j'ai un message ce soir, c'est de conserver ce souvenir, de prendre une photographie de vous tous et tous réunis pour nous souvenir, mais également pour agir, pour s'assurer que plus jamais un geste comme celui-là, un attentat contre des femmes, ne se reproduise plus jamais. Et qu'en même temps, nous n'oublions pas
que cette tragédie nous rappelle que bien des communautés marginalisées, dont les femmes, mais bien d'autres également, sont beaucoup plus sujets et sujettes à la violence du quotidien et des gestes aussi terribles que celui-ci. Alors, je veux vous remercier et remercier celles qui, partout à travers le pays ce soir, sont avec nous. Merci. Justin, Valérie, tous les distingués invités, les collègues qui sont ici, merci tout le monde d'être ici ce soir. Ça fait du bien d'être ensemble. Il y a 30 ans, il faut se dire les vraies choses, là, il y a 30 ans, 14 femmes se sont faites voler leur avenir parce qu'elles étaient des femmes. Il y a 30 ans, 14 femmes qui avaient de l'ambition, qui étaient brillantes, sont faites tuer parce qu'il y avait de l'ambition puis qu'elle était brillante. Il y a 30 ans, le Québec a été attaqué dans une de ses valeurs les plus fondamentales, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ce soir, tous ensemble, Justin, Valérie, moi, mais tous les Québécois, on a un devoir de mémoire. On a un devoir d'être unis pour jamais baisser la garde pour défendre cette valeur fondamentale, l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci, bonne soirée. Il y a 30 ans ce soir, 14 femmes ont été tuées par un homme parce qu'elles étaient femmes. 30 ans plus tard, on a encore beaucoup de travail à faire pour lutter contre la misogynie, la violence fondée sur le sexe, la haine et la discrimination. We must all pledge ourselves today and every day to fight. Fight for the respect owed to every single human being. Nous allons continuer de combattre ensemble la violence fondée sur le sexe. Nous allons renforcer le contrôle des armes à feu en éliminant et en interdisant les armes d'assaut de style militaire. Nous avons un consensus clair à la Chambre des communes. Nous avons un consensus clair à travers le pays. We will continue to move forward together. We will raise our daughters to be anything they want to be, and to be free from fear. We will raise our sons to be allies and to be feminists. And we will keep fighting every day for a better world. Merci. Your connection to people.